Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette boucle d'oreille. Je vais vous montrer comment faire ce type de clou d'oreille avec des perles. C'est très simple. Donc, j'ai pris du fil de tissage, là c'est la marque Co, de la couleur de mes perles. Je coupe environ 50 cm de fil. Je l'enfile sur une aiguille et j'enfile 3 rocailles Miyuki 11-0. Je fais un cercle, c'est-à-dire que je vais repasser dans l'ensemble des perles dans le même sens. Donc j'avais enfilé celle-ci en premier, en deuxième et en troisième. Je repasse encore une fois dans la première. Et mes perles forment un triangle. Maintenant je prends mon clou d'oreille demi-boule. Et je vais mettre une pointe de colle au centre. Je place ensuite mes trois perles au centre de la boucle d'oreille. Alors dans l'idéal, il vaut mieux attendre une heure avant de continuer. Moi, je vais essayer de terminer quand même mon clou d'oreille. Et je vais enfiler plein de perles. J'ai enfilé 49 perles. En plus des trois premières. Je vais mettre de la colle sur mon clou, tout autour de mes premières perles. Et maintenant, je vais enrouler mes perles autour de mes trois perles. Donc on y va petit à petit. Si les trois premières perles sont fixées, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Là, il y en a un petit peu trop, j'en enlève quelques-unes. Et je vais repasser dans une perle proche de ma dernière perle pour catcher le fil. On y va tout doucement. Voilà, et on attend que ça sèche. Ensuite, on repasse le fil un tout petit peu dans les perles et on le coupe. Recoupez de nouveau 30 cm de fil à peu près. On le noue sur notre chandelier avec un double nœud. On enfile notre aiguille. Et maintenant, j'enfile 4 perles. Ensuite, on en enfile 5. Et on finit par une rocaille. On enfile une deuxième rocaille et de nouveau 5 perles. Puis 4. Et on noue de nouveau le fil de l'autre côté avec un double nœud. Ensuite, on repasse le fil dans les perles. Et on le coupe. Et on fait pareil de l'autre côté. Pendant ce temps, mon clou d'oreille avec les perles a séché et je vais pouvoir le fixer à mon chandelier. Donc je prends un anneau. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine !